Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble une belle cuisine boulanger, eh bien écoutez, nous avons commandé la nôtre le 3 mai cette année et elle a été posée le 18 juillet. Eh bien, regardez, pour seulement 21 000 euros, le niveau de qualité que nous avons. Donc, passons sur les tiroirs qui frottent à chaque fois qu'on les ouvre, avec des jolies petites décorations comme ça, là, voilà, c'est très beau. Évidemment, quand on utilise son four, eh bien, c'est assez important que quand on tire la porte, le four vienne avec vous, hein, c'est assez pratique. Et d'autant que c'est chouette parce que du coup, c'est assorti avec le lave-vaisselle. Et oui, un lave-vaisselle, on est obligé de mettre cette petite pièce que si on l'enlève, regardez ce qui se passe. Hop, voilà. Voilà ce qui se passe. Ah, mais j'ai pas tiré fort. Hein. Et après, quand on a fini avec son lave-vaisselle et qu'on jette des choses dans la poubelle, eh bien, regardez comme ça racle bien. C'est parfait. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait la vaisselle à la main depuis un mois maintenant que notre lave-vaisselle n'est plus en état d'usage après seulement 2 semaines d'utilisation. Eh bien, nous faisons la vaisselle à la main et nous avons de la chance car nous avons une belle cuisine bien plaquée. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est joli. Et puis ça se retrouve aussi ici, vous voyez, c'est bon, on peut mettre des trucs dessous, on peut planquer de l'argent par exemple, ce qui nous reste quand on n'a pas donné tout à boulanger. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous êtes satisfait. Oh, mais il y a une belle barre aussi, elle est tombée. Oh, c'est chouette, ça. Ouais, c'est bien, c'est super. Allez, merci à tous pour votre attention et achetez les cuisines boulangers.